n'y a pas, wesh. Ah, du saucisson, ça fait plaisir. Merci bien de bien vouloir partager votre repas pour une fois. Oh, elle me fait un bisou, comme c'est mignon. Pourrais-je avoir du saucisson en plus, s'il vous plaît? Non, juste un bisou. Eh bien, décidément, tu es vraiment une crevarde. Maman Lilith m'a au moins donné un bout. Ah, peut-être qu'elle va me donner quelque chose. Et non, encore un bisou. Décidément, ce n'est pas la générosité qui va t'étouffer. Oui, oui, des câlins, c'est bien. La nourriture, c'est mieux. Tu feras attention, j'ai bavé sur ton pantalon. Cela ne fait pas très propre. Mais, enfin, où vas-tu? Ah, si maman se balade dans le jardin, je me balade aussi. Que va-t-elle faire? Oh, et lui, toujours à courir après ses nuggets, mais c'est un ridicule. Bon, où allons-nous? J'ai besoin de dégourdir mes pattes. Pourquoi s'arrête-t-elle? Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'elle n'a pas vu ma bêtise. Si, elle l'a vu. Très bien, je dois assumer. Effectivement, j'ai détruit un paquet de bonbons appartenant au chat. Eh bien, c'est bon maintenant, on l'a vu. Nous n'ont pas passé la journée là-dessus quand même. Ah, elle m'attend. Elle m'appelle. Très bien. Elle ne fait pas la tête. Tout va bien. Nous devrions en profiter pour aller voir le désastre que vous avez fait dans le jardin. Très bien, c'est ici. Est-ce qu'elle va aller voir? Ah, très bien. Alors, vois-tu, tu n'as absolument pas terminé le travail. Il y a encore des branches mortes partout sur le sol. Il faut se débarrasser de ça. Cela gâche très fortement mes balades. Il y a encore plein de mauvaises herbes ici à traiter. C'est inadmissible. Ce travail est vraiment très mal fait. Attention, ne touche pas à cette branche. Il me semble qu'elle est encore instable. Oui, tout à fait. Fais attention, tu pourrais te faire mal. Il faudrait la couper plus courte, voyons. Et Kal-El, qui est toujours après ses nuggets, décidément. Il est navrant. Super, elle lance le jouet, j'adore ça. Vite, il faut que je le récupère. Voilà, très bien. Allez, je dois lui rapporter maintenant. Mince, j'ai oublié le jouet là-bas. Il est hors de question que je fasse demi-tour. Bon, voyons voir s'il reste du saucisson. J'ai un petit creux après avoir beaucoup couru. Mais enfin, que veut-elle avec sa balle? On va encore jouer. Oh, je n'ai plus d'énergie. Mais lui, que fait-il ici? Il était avec ses gallinacés, là. Qu'il y reste? Oh, mais mince alors! Écoute, Kal-El, va donc surveiller tes volatiles insignifiants. Oula, attention, nous avons risqué un carambolage. Il m'en a fait perdre ma balle. Je ne la rapporterai pas plus près. Oh, elle la jette encore. Ça fait déjà deux allers-retours que je fais. Je commence à être fatiguée. Ce jeu est beaucoup trop physique, c'est ridicule. Enfin, elle se décide à arrêter. J'étais bien trop fatiguée. Il serait temps de me nourrir afin que je ne fasse pas une syncope. Décidément, elle me donne toujours rien. Je suis bon à aller fouiller mes trous afin de trouver des os ou quelque chose à mettre tout là-dedans. Je dois bien avoir laissé traîner quelque chose par ici. J'ai plusieurs trous autour du poulailler. Je vais bien trouver quelque chose dans l'un d'eux. Ah, très bien, un trou. Oh, mais enfin, il y a plein de paille dans ce trou. Serait-ce possible de faire attention à mes trous, s'il vous plaît? Je vais aller de ce pas me plaindre, c'est intolérable. Mais enfin, avez-vous vu l'état de mes trous? Bon, c'est peine perdue, personne ne respecte mes trous. Je vais creuser afin de voir s'il n'y avait pas un petit repas qui resterait par là. Oh, cette terre, ça me pique le nez, c'est désagréable. Je ne sens rien du tout. J'ai déjà dû me servir dans celui-ci. Ou bien quelqu'un m'aurait volé. Je suis sûre que c'est ce petit rat mal éduqué qui m'a volé mon... Oui, voilà, il a volé mon os. C'est intolérable. Viens ici. Je te préviens, Dego, je ferai des pieds et des mains pour récupérer mon dû. Lâche ça. C'est tout à fait impoli de se servir dans les cachettes des autres. Veux-tu me rendre mon os? Mais enfin, oserait-il me tenir tête? Rends-moi ça. Bon, maintenant, ça suffit. Je veux récupérer mes affaires. Donne. Mais voyons, enfin, mais il m'attaque. Mais ça ne va pas à la tête. Cet animal est tout à fait instable. Très bien, j'ai récupéré mon os et en plus, il s'est fait disputer. C'est parfait. Je dois trouver un endroit maintenant afin de le savourer. Je suis ravie de voir que justice a été rendue, Diego. Et tu as tout intérêt à ne plus jamais t'adresser à moi de la sorte. Oh, cet anus sous temps apparent. Mais enfin, que fait maman assis par terre avec les gallinacés? C'est ridicule. Cette volaille ne mérite pas autant d'attention. Une heure à 200 degrés, voilà tout ce qu'il mérite. Mais enfin, que fait maman là-bas? Mais que fait-elle avec notre piscine? Oh, je t'en prie, ne vide pas l'eau de la piscine, voyons. Comment allons-nous nous rafraîchir? Oh, mais que fait-elle? Pourquoi fait-elle ça? Je vous prie de bien vouloir laisser nos bassins rafraîchissants tranquilles. Mon Dieu, mais ils sont sales. Dépêchez-vous de vider ça et de le nettoyer. Tout ce que nous allons gagner, c'est une mycose des coussinets avec cet état. Mettez-moi un coup de javel là-dedans, par pitié. Ce nettoyage est fort long. Je vous prie de bien vouloir vous presser. Bon, visiblement, vous ne trouvez pas le tuyau d'eau. Je vais vous montrer où est-ce qu'il est. Voilà, il est juste ici. Dépêche-toi de le tirer jusqu'à là-bas et nettoyer ma piscine, s'il te plaît. Allez, tire, tire, tire. Je t'apporterai bien mon aide, mais je risquerai d'être fatiguée après ceci. Eh bien. Tu mets très peu d'énergie afin de te déplacer. Allez, allez, tu peux continuer de tirer, il y a encore du mou. Ah, elle a enfin compris que j'avais besoin de me rafraîchir. Merci. Cependant, si tu pouvais éviter de tirer l'eau par terre plutôt que sur moi, je pense que je me rafraîchirais beaucoup plus vite. Eh bien, elle comprend vite. Il suffit de lui expliquer longtemps. Ah, bah le revoilà. Il a abandonné ses gallinacés. C'est mon eau, Kal-El. Veux-tu me laisser? Ce chien est branché sur 100 000 votes, enfin. Il ne s'arrête jamais. Je tiens quand même à préciser que c'est moi qui avais besoin d'être rafraîchi. Toujours à faire son intéressant, celui-là. Laisse mon eau, je te prie. J'ai soif. Bon, ça y est, le spectacle est enfin terminé. Peut-on s'occuper de ma piscine, s'il vous plaît? Elle est actuellement toujours remplie de bactéries. Que dis-je? De champignons, même. Mais enfin, va-t-il se calmer deux minutes?
Ah, rien que sa vision me fatigue. Non mais regarde-moi ça, il n'y a même pas d'eau dans la piscine qu'il est déjà dedans. Mais enfin, Kal-El, nous allons pas y arriver si tu continues. Laisse donc ce tuyau d'eau. Je t'en prie maman, mets la javel pendant qu'il est encore dedans, peut-être que ça le calmera. Bon, c'est pas